Salut tout le monde, je vais vous montrer un petit jeu qui s'appelle Door Kicker, qui vaut 18,99€ sur Steam. Voilà, donc peut-être que vous pouvez le trouver moins cher sur d'autres sites. Donc c'est un jeu qui est action, simulation, stratégie, développé par Kill House Game et éditeur par eux-mêmes. Tout est en anglais, malheureusement. Il est sorti le 20 octobre 2014. Voilà. Donc personnellement j'aime bien. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais pas si vous vous rappelez d'un jeu qui s'appelait Rockspear, si j'ai pas de bêtises. Ou alors c'était Rainbow Six plutôt. Ou c'est peut-être les deux. Voilà. Donc il fallait créer d'abord sur une map des endroits où votre escouade devait passer. Ou devait regarder. Voilà. Et vous devez faire à peu près la même chose. Mais là, il n'y a pas de FPS. C'est vraiment que du vu par-dessus, quoi. Je vais vous montrer vite fait comment ça se passe. Hop. Très simple. On va prendre celle-ci. Ça. Voilà. Voilà. Alors. Donc là, vous avez une escouade. Donc il y en a deux là, vous pouvez faire automatique. On va faire comme ça. Alors vous pouvez préparer donc directement. Faire comme ceci, par exemple. Hop. Hop, on va supprimer ça. Vous pouvez créer des séquences, par exemple. Voilà. Toi, tu vas envoyer la flash à A, par exemple. Donc, ici. Toi, tu vas le faire à B, par exemple. Tu vas commencer à te déplacer à B. Hop. Tac. Tu vas pas aller aussi loin. Non. Voilà. En gros, on va faire comme ça, pour le moment. On va faire espace. Alors, faut juste que je retrouve la touche du snipe, mais ça allait très vite. Hop, voilà, on met pause. On a déjà tué pas mal, je pense. Donc là, on a le snipe qui couvre cette zone, mais on voit pas tout. Donc ce qu'on va faire, on va avancer tranquillement. Vous voyez? On peut avancer en même temps, hein. C'est pas. Voilà, hop, on met pause. Hop. Voilà. Voilà, hop, comme ça on a couvert ici, ici. Donc au cas où s'ils passent par là, bah, ils sont obligés de passer tout le tour. Et s'ils passent par là, qu'ils vont tout droit, ils sont défoncés par là. Et là ils sont défoncés par là. Donc on va mettre pause. On va dire à toi d'avancer. Toi. Avancer comme ça
Et qui doit faire gaffe à regarder par là en même temps. Voilà, lui il va regarder par là. En gros. Et quand lui il va arriver, il va regarder. Il va essayer de regarder par là. Eux ils vont arriver par ici. Voilà. Hop. Fais gaffe derrière quand même. Vous voyez, là il y a du monde là. Par contre, je suis bête. Voilà, on va faire ça. C'est tout simple. Vous voyez, il y a du monde là. Hop là, je pensais que j'étais en pause. Voilà. Tac, ça sera sur C. Lui sera sur D. Voilà. Alors. Ah, Alpha, go. Mince. Bon, vous voyez, j'en ai tué un sans le vouloir. J'ai oublié de mettre des. C'est très important de vraiment synchroniser les trucs, quoi. Allez. Charlie. Ah bah c'est super, il avait plus de. Ah, ça c'est fait. Hop, on va faire tout le tour là, tac 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 tac. Oh, je vous le montre vite fait, hein. Je veux pas faire un gameplay parfait, minutieux, c'est juste pour vous montrer un peu l'étendue du jeu, quoi. Tout simplement. Hop, on va faire visiocam. Fait chier quand même. Putain. Voilà, il y en a un qui est là. Alors, vous voyez, il a une sorte de petit bouclier. C'est-à-dire que si j'arrivais d'ici, il prendrait moins de balles, tout simplement. Hop. Alors, vous pouvez tout faire vraiment minutieusement, vraiment, vraiment, vraiment. J'ai vérifié s'il a tourné sa tête, lui. Non, toujours pas. Ok, vous voyez, là on voit pas. Donc là, il n'y a plus personne.
Hop, on va faire une flash. Ah. Vous voyez, et là je serai protégé directement par les deux canapés, là, et la table, voilà, le comptoir. Le reste? Ah oui. C'est bon, je vois où est-ce qu'il en reste. Il va crever direct lui. Il va prendre cher. Ready to blow. They go down. Good job. We're done here. Voilà. Bon, escouade, 3 de mort, 1 de vivant. Hein? Hein? Bon. Moi je dis, c'est mieux que rien. Voilà. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'il y avait 27 méchants. Contre 4. Hein? Ouais, vive l'équilibration. Hein? Voilà. Ensuite, on peut voir qu'il y en a un qui a fait 9 morts, l'autre 3, l'autre 6, il y en a un qui a fait 7. Et ceux qui meurent, eh ben, comme de par hasard, ils n'ont pas d'XP. Hein? Voilà. Il y en a un qui faisait presque du one shot. Alors, je sais pas pourquoi, il marque 10, 100% cible. Ok, voilà. Ah, vous voyez, je savais même pas qu'on pouvait les arrêter, mais je pense qu'on peut pas maintenant de suite, parce que j'ai pas encore tout débloqué. Vous pouvez enregistrer votre gameplay, enfin ce que vous voulez, sans utiliser de logiciel. Vous pouvez refaire, back, wow. Ah, cool. Vous voyez, bah, en plus je déverrouille un bouclier, ça c'est cool ça. Oh putain. Ouais, nouvelle classe. Cool. Donc là, on peut aller voir. Hop. Ok. Voilà. Là par exemple, il a un bouclier et au fur et à mesure, bon, en fait, vous pouvez déverrouiller en fait les boucliers, les armes. Vous voyez, là j'en ai 9, je peux acheter très bien un pistolet un peu plus puissant. Voilà, un qui est silencieux, mais par contre, il fera moins mal, il tirera moins vite par exemple. Enfin, je dis des bêtises là, mais voilà, c'est marqué top power, non. Manœuvre, par exemple, vous avez aussi ça, mobilité, voyez, en bas. Plus vous prenez quelque chose de lourd, bah, moins vous serez mobile, ce qui est un peu logique. Voilà. Pareil pour les armes. Quand même pas mal d'armes. Mais comme de par hasard, il n'y a pas de FAMAS. Hein. Bon. Voilà. Vous pouvez, si par exemple vous avez terminé le jeu, vous avez des mods, je vous montre, voilà, petit mode de Noël et tout comme ça. Vous avez une campagne aussi à faire, voilà, j'en ai déjà fait une. Vous avez quoi d'autre, si vraiment vous avez terminé tout le jeu, donc vous avez donc l'émission là. Un générateur de map, donc des Excel, dur, pas de visuel, je ne sais pas quoi. Vous pouvez télécharger des maps des joueurs et vous pouvez créer vos maps. Ce qui est déjà pas mal. Peut-être qu'un jour, en espérant pour maximiser le jeu, pour le jeu en réseau, parce que c'est un. Ça se joue en solo. Peut-être en espérant qu'un jour il fasse un multijoueur, genre soit
deux joueurs, donc deux escouades différentes. Ils jouent en même temps. Il y en a un qui met pause, l'autre il attend pendant que il fasse son bordel, pendant que l'autre aussi il change. Comme ça permettrait de synchroniser deux escouades. Ou alors un gentil et un méchant. Un truc assez basique. Mais franchement, ça, en coop, ça aurait été pas mal. Personnellement. Sinon, voilà, vous avez. Vous pouvez revoir toutes les bases. Voilà, tout simplement. Il y a des. Voilà. Par exemple, vous avez un temps imparti sur certaines choses. Là, vous devez, par exemple, tuer un ennemi qui menace de tuer une victime, tout simplement. Voilà. Donc, c'était Yamoki pour Door Kicker, qui est à 18,99€. Très bon jeu. Franchement, je lui mettrais 5 étoiles. Hormis le fait qu'il n'est pas de multijoueur, mais ce qui est un peu normal sur ce jeu, ce type de jeu. Voilà, donc je vous dis bonne journée, bonne nuit, bonne année. En espérant vous revoir et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à aller regarder les chaînes amis aussi, où vous allez voir Serval, Tuco. Tuco qui fait des tutos aussi sur certaines configurations ou comment trouver une configuration pour un PC, voilà, tout simplement. Donc je voulais faire une petite aparté comme ça. Voilà, merci à vous. Au revoir.